J'ai fait un double cursus en sciences et philosophie et je me suis un peu naturellement orientée vers tout ce qui est perception, cognition et donc je me suis intéressée aux neurosciences. J'ai candidaté au master de neurosciences à Aix-Marseille Université et c'est là que je suis rentrée dans le Brain Master Program qui est devenu Neuroschool. Alors Neuroschool est né au départ par des programmes innovants qui ont été soutenus par la Fondation Amidex et qui ont été créés en 2013 et 2014, où il s'agissait alors de proposer de l'innovation sur le master de neurosciences existant et de créer un PhD programme tout nouveau en neurosciences qui n'existait pas jusqu'alors. Alors Neuroschool est un projet extrêmement structurant parce qu'il repose sur l'ensemble de la communauté des neurosciences de Marseille, qui se trouve être la deuxième communauté neuroscientifique la plus importante de France, avec près de 1000 personnels impliqués dans plus de 70 équipes de recherche, qui constituent en tout 10 gros labos de recherche. Et l'ensemble de ces laboratoires de recherche sont aujourd'hui regroupés sous la forme d'un institut universitaire que l'on appelle Neuromarseille. Le fait que cette communauté scientifique soit très large, elle permet aux étudiants de les plonger dans des questionnements de recherche qui vont des neurosciences moléculaires ou cellulaires, jusqu'aux neurosciences les plus intégratives et cognitives. Autrement dit, on balaye à peu près toutes les questions neuroscientifiques aujourd'hui grâce à cette très large communauté scientifique. Et comme il y a cette notion de voyage aussi pour moi, on est justement là tous ensemble pour ce module de professionnalisation. Alors la particularité des EUR, École Universitaire de Recherche, c'est que ce sont l'équivalent des graduate schools à l'anglo-saxonne, donc qui regroupent les masters et la formation doctorale. Avec une particularité pour Neuroschool, c'est que nous y avons ajouté la troisième année de licence, donc nous allons du L3 jusqu'au doctorat. Donc moi j'ai fait la spécialisation neurosciences cognitives et j'ai bénéficié en M1 d'une bourse de 3 mois pour partir à l'étranger en Allemagne, à Oldenburg, vers Brême, pour faire un premier stage de recherche. Ensuite, donc j'ai fait ma thèse en étant inscrite au PhD programme. Là, l'avantage de Neuroschool, c'est qu'on a des cours de neurosciences ou destinés aux neurosciences, donc des stats pour les neurosciences, des événements de culture scientifique axés neurosciences, des séminaires de neurosciences qui sont spécialement organisés pour la communauté neuro-marseillaise ou juste les étudiants. Et un deuxième volet qui est très important dans Neuroschool, c'est l'innovation pédagogique, qui consiste et qui est essentiellement centrée sur l'idée de placer nos étudiants le plus tôt possible dans l'immersion de la recherche. Et ce, dès la licence, ils réalisent des projets de recherche dans les laboratoires, encadrés par des chercheurs en licence, en master. Et puis au niveau doctoral, bien entendu, ils sont déjà en immersion totale dans les laboratoires, mais on va leur demander de développer d'autres types d'activités qui sont liées aux événements scientifiques, donc d'organiser des conférences scientifiques, d'inviter des conférenciers de grande renommée internationale et de gérer intégralement ces événements scientifiques. Le troisième volet très important des actions de Neuroschool, c'est en direction de la professionnalisation. Donc Neuroschool est très soucieuse du devenir de ses étudiants et nous leur proposons des formations diplômantes complémentaires de manière à enrichir leur CV et leur expertise. Neuroschool propose une bourse postdoctorale en entreprise pour proposer une insertion professionnelle. Ils financent un an. Donc pour le postdoc, l'entreprise c'est Boarding Ring. C'est une entreprise varoise qui développe des solutions contre le mal des transports et le mal de la réalité virtuelle. Et ils n'ont pas ces compétences de faire des tests scientifiques, méthodiques chez l'humain. Donc, en fait, moi, ce que je vais faire, c'est développer plusieurs expériences qui vont essayer de tester l'efficacité du système et potentiellement essayer de l'améliorer. Neuroschool donne accès très rapidement au monde de la recherche, à ses enjeux actuels, qui sont nombreux, à la fois dans les domaines de la santé, mais aussi dans les nombreuses applications des neurosciences aujourd'hui dans la société, avec notamment, par exemple, l'implication de l'intelligence artificielle dans la vie ou la nécessité de développer des nouvelles thérapeutiques en direction des maladies neurodégénératives qui se développent de plus en plus avec le vieillissement. Et puis, l'insertion de Neuroschool au sein des instituts universitaires, donc l'Institut universitaire de Neuro-Marseille, offre aussi de nouvelles possibilités à nos étudiants qui vont être beaucoup plus immergés et ancrés dans le milieu de la recherche de Marseille.